arrêt sous RP 173/023. Contre les prévenus ci-devant identifiés, ainsi que la République démocratique du Congo prise pour civilement responsable. La Cour militaire du Nord-Kivu, siégeant en matière répressive et en procédure de flagrance au premier degré, rend ce jour l'arrêt suivant, dont le dispositif est ainsi conçu. Disant droit, dit recevable, mais partiellement fondé, l'action du ministère public. Dit non établi, signe mise à charge du prévenu Kalamba Mikombe Mike et l'Anakit et le renvoi libre de poursuite. Dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction de non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires mise à charge du prévenu Bawili Mbolitini Donatien, l'Anakit et le renvoi libre de poursuite. Disqualifie les préventions de crimes contre l'humanité par meurtre et de tentatives de meurtre mises à charge des prévenus Kalamba Mikombe Mike et des soldats de deuxième classe Mbaya Fabrice, Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Kabamba Kabula Idriss en meurtre et tentative de meurtre. Dit non établi, les infractions de meurtre et tentative de meurtre à charge du prévenu Kabamba Kabula Idriss, l'Anakit et le renvoi de fin de poursuite. Dit établi, en fait et en droit, les infractions de meurtre, tentative de meurtre, ainsi que de destruction d'armes, d'armement mises à charge du prévenu Kalamba Mikombe Mike et l'en déclare coupable. Dit également établi en fait comme en droit, les infractions de meurtre et tentative de meurtre à charge des prévenus Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Fabrice, et les en déclare coupables. En conséquence, les condamne comme suit. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte soit la peine de mort. Prononce, à titre de peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour les prévenus soldats de deuxième classe, Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Fabrice, les condamne chacun, avec admission de circonstances atténuantes, à 10 ans de servitude pénale principale pour meurtre, 10 ans de servitude pénale principale pour tentative de meurtre, en application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, soit 10 ans de servitude pénale principale. La Cour militaire, statuant sur l'action civile, dit irrecevable,
plutôt la constitution partie civile Église, foi naturelle, judaïsme messianique envers les nations pour fiction. D'irrecevable, mais non fondée, la constitution partie civile Ephraim Bissimwa pour immoralité et turpitude. D'irrecevable et partiellement fondée, les partis civils Aguma Jacques, Hadi Sheraba, Batashoka Bafumo, Biamungu Ndalire, Feza Birali, Kanane Akilimali, Karwani Shipoi, Kawaida Nakalonge, Mabutwa Sheria, Moima Kasindikiri, Zingire Birali, Ombeni Baleke, Riziki Hurama, Zawadi Fura, Omira Amewa, Bulonza Burungu, Safari Lushindi, Kasereka Chongo Vinode, Kasereka Hangi, Baroni Mudereza, Kasereka Kiundu Norbert, Kasereka Kiundu Celestin, Kasigwa Bitamenyeka, Bisimwa Bisonga, Kubushwa Kashengula, Kiabushi Kashika, Chabwene Biragi, Chance Ayubu, Chiza Rosina, Fura Kasisi, Asmani Bienda, Mongi Eliba, Kitumaini Barumana, Musalia Hangi, Mushingana Muima, Munguiko Kamanzi, Namundumbi Mbiombio, Namegabe Yohana, Zingire Taboba, Ndole Yalala, Ombeni Mustafa, Zawadi Barwana, Kamanzi Munguiko, Kasisi Wamba, Chiza Chikubira, Kujirabuinja Rusumba, Donatien Iragi, Murabazi Mukulu, Paluku Miindo, Biamanine Mulago, Matumo Bubu, Kasereka Chongo Vianney, Baibonge Murairi, Shukuru Wetemwami, Haizu Rukitu Kapako, Ashir Ndivemeru, Muindo Kalioko, Safari Buyana, Kinyabuma Bahati, Kakubiamba Jacques, Maombi Trésor, Uruma Muindo, Balegamire Kiachinge, Mwawe Musereza, Bisimwa Mirindwa Aristote, Kubuya Wetemwami, Kola Mirindi, Maisha Masimango, Mahamba Kambale, Zawadi Adrien, Blondine Mitambi Kibale, Sekanabo Karumba, Ntamishanga Kakuru, Nyange Tabakanya, Chiruza Kagaraibi, Adolphe Bulenda, Mwangere Shombo, Mwindo Kakule Murandirwa, Mwinire Kasole, Kalinda Ngiko, Mutanyawa Kubuya, Wivin Kataka, Kifunga Panda, Kitaro Kacharanga, Bulonza Mburugu, Katembo Viruo, Ziavake Kataka, Ntamumenya Basingira, Simeo Panda Kifunga, Salama Sukaka, Rafiki Bioka, Chakupewa Bagereka, Pascal Nguba, Baleke Bashangwa, Safari Rushindi, Emmanuel Fundiko, Ntabubuma Chisungu, Chimpeshe Murabazi, Bauma Bendera, Mambalungu Elize, Maliro Mikore, Chongo Mubire, Kambale Sivanzire,
Rafiki Mbajimbere, Kakule Kaikwani, Amani Shamavu, Aliofu Kasole, Kabuo Kaicho et Tumaini Bauma. Par conséquent, condamne solidairement seuls les prévenus Kalamba Mikombe Mike, Mwati Musombwa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Mbaya Fabrice à payer ex aequo et bono au parti civil la somme de 272 500 000 francs congolais constants à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice. Ordonne la restitution des deux téléphones portables appartenant au prévenu Bawili Mbolitini Donatien. Ordonne par contre la confiscation des deux autres téléphones appartenant au prévenu Kalamba Mikombe Mike. Condamne les prévenus Mwati Musombwa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Mbaya Fabrice, ainsi que la partie civile Ephraim Bissimwa, aux frais d'instance à raison de un quart pour chacun, et à défaut de payer dans le délai, subir 60 jours de contrainte par corps et le quart à charge du trésor public. La Cour militaire du Nord Kivu a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique du lundi 2 octobre 2023, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Kabe Yahanouben, premier président à la Cour militaire d'Océan, le magistrat Kalonji Lukusa Valentin, président à la Cour d'appel et rapporteur, le commissaire supérieur principal Loaya Pene Albert, le colonel Hussein Rukiamuka et le colonel Kenoa Molandou Henry, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représentés de manière constante par le colonel magistrat Kachil Tinish Michel, auditeur militaire supérieur, et l'assistance du capitaine Masumbuko Essobe Venance, greffier du siège. Arme au pied et repos. La Cour informe les parties de leur droit de former recours dans le délai de 5 jours à dater de la présente. Prévenu, vous avez tous suivi. Kabamba Kabula Donatien. C'est Kabamba Kabula Idriss acquitté. Vous êtes libre. Makanisi la biso eza makanisi moko ya mawa to sepeli te na oyo esalemi en tant que batu. Po ba pesi etumbu ya liwa. Na mutu oyo asali tokolo basali le côté na ko landisa mandenge to sambaki tokoko kanisa te ke bako pesa etumbu ya liwa na ko bengana na armée mutu oyo asali musala lokola Mike eyebani me balobi ba bengana na armée mais totikali totiki juridiction ya likolo otkur emeka ko revoir likambo yango ola koyeba ndenge nini bazuji oyo bapesi décision na bango. Bango ndie bazana mamula na décision nyonso pour toko sala pour que ba revoir décision yango tozana ko ndima que likolo ba ko garder décision oti otuno ba ete bo sala ki ma so pote mbe ba comme contre l'humanité e longwa wana nde to se peli nango po to na model to samba ki to démontrer que crime contre l'humanité ezala ki akovanda te cour pe comprendre que Mikombe a sala ki crime contre l'humanité te, mais a changé yango ati yango na meurtre donc koboma alors que na kosamba na ye place moko te oyo balobaki abomaki
Alors, les autres qui ne l'ont pas dit, j'ai dit que pas me corriger, Evre. A tout fraï, mais la Kini, la avocate, tu n'as pas dit que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as une décision, tu as une déontologie, tu as te permettre de faire des commentaires. Mais la Kini, tu as regretté ça, tu as. Chaque coup, tu as un robot chungu. Tu as Sigitika. Sigitika, tu as un peu de temps de mort. Le colonel, parce que le cours, il y a un jour, a disqualifié le crime contre l'humanité. Tous les années, il y a un délai à Mouzouri, mais bon. A tout à la Sambisha, à tout à la Sema Kinja Bajoué. Il y a un Fanya, il y a un Dunatia Mungu. Dunatia Mungu, mais. En tant que praticien et à droit, tu n'as pas de recours. Tu n'as pas de recours, tu n'as pas de recours pour que le juge à l'instance de Yulu, il ne soit pas en train de se faire. Tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison, tu n'as pas de raison. Maître Serge Lukanga, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Sèche, n'a beaucoup ce micro bête. Mais nous sommes en colère. Ce n'est pas que Denga n'a pas voulu dans le Vatican. Mais il y a des gens qui sont en Zambie. Par rapport au déroulement des procès. Bon, je peux dire personnellement, ce n'est pas un sentiment de joie. Quatre personnes inacquittées, je ne suis pas tellement satisfait. Gina, pourquoi? Parce qu'ils ont été tous arrêtés dans les mêmes circonstances. Mm-hmm. Nous ne comprenons pas comment on peut avoir un acquittement et trois condamnations. Pour vous prendre quoi que ce soit, on a dit ce qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas, moi, tu es une moitié. Condamné à la peine de mort. Quel est votre sentiment? Bon, en tant qu'humain, comme tout commun des mortels, c'est un sentiment de regret. Personne ne peut se plaindre d'une peine comme celle-là. On demande à ce que une condamnation de mort. C'est vraiment une peine qu'on ne s'attendait pas. Et pour nous, on se réserve en tant qu'avocat de condamner la cour. Mais nous avons les voies de recours qui nous permettent comment il faut attaquer la décision. Ce n'est qu'une décision de premier degré. Il retient certaines infractions qui a annulé, qui a disqualifié aussi d'autres. Notre crainte aussi, c'était qu'il retienne le crime contre l'humanité. Mais nous pouvons dire que nous nous réjouissons, de sorte que la Cour nous a quand même suivis, en comprenant qu'il n'y avait pas eu crime contre l'humanité. Mais malheureusement, la Cour a retenu le meurtre, tentative de meurtre. Nous pensons que la haute cour ou la cour supérieure pourra juger de ces faits et sera équitable dans les prochains jours. Allez-vous faire recours? Tout de suite là déjà, nous venons de recevoir la procuration spéciale de notre client pour acter appel. Et nous allons acter appel et parce que la juridiction supérieure se trouve à Kinshasa, certainement que nous allons aussi rapidement aller au greffe près de la haute cour pour obtenir l'acte d'appel afin que le dossier monte au niveau de la plus haute cour militaire. Pengine kwa Kiswahili, namna gani umepokea hii hukumu kwa mteja wako? Maneno ya uchungu, sa binadamu wote atufurahi, lakini uko la avocate. Tunaitika, tutakula tuna na mamlaka ingine ya kuweza sema bila mbele ya decision ya kuu. Deontologie wetu haitu permettre tufanye commentaire. Na lakini tuna regrette sana, tuna shaka kuru, tuna rumu chungu. Sigitika? Tuna sigitika. Sigitika kwa ya kabambi ya kuona pa lete peine de mort pa colonel, parce que kuru. Il y a un jour, il a disqualifié le crime contre l'humanité. Tous les années qui battent un délai à Mouzouri, mais bon,
hatuta wasambisha, tutasema kila wajue. Inye wanafanya, inye tunatia Mungu, tunatia Mungu. Me, en tant que ma praticien ya kuwa, tunafanya recours. Tunafanya recours inye tunahenda na yo kule haute cour pour que ba juge ya instance ya lulu, ba njulule kusambisha, tutuone unye kuna raison. Unye kuna raison. On a pas de raison, je vous mets votre patate. Sans ça. Maître Serge Lukanga, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Serge, dans beaucoup de micro, il y a un peu de ma cantine, mais il y a un peu de la roi de Zouzi, mais il y a un peu de ma cantine. On a bien évolué. Ma cantine, la vie, c'est ma cantine, c'est mon goya, ma wato, c'est pelité, na oye, salemi en tant que batu. Oh, ma pesi et tumbo, yaliwa. La mutu oyo asali tokolo basali lokote na kula misamandeke to sambaki tokoka nisateke bako pesa etumbu ya liwa na kubengana na arme tokwa asali musala lokola mai yebani me balobi balbengana na arme me totikali totiki jurisdiction a likolo haute cour eme ka ko revoir likambongo pola koyeba ndenge ni bazuzi oyo mapesi decision na bango. Bangon de Bazan Mamla na décision nous pour que ça la pour que pas revoir décision. Tous à la connaître que les colons pas que garder décision. Autre loi est que vous savez qui m'a souhaité mbeba est comme contre l'humanité et le moi. Voilà de tout ce pays n'a pas pour tout le modèle tout ça m'a dit de démontrer que le crime contre l'humanité est à la qui a vendu pour peut comprendre que. Mikombe a salaki crime contre l'humanité, mais a changé yango, a tiré yango na meurtre, donc koboma. Alors que na bosamba la ye, place mon côté au baloba qui a bomaki. Alors les amants ont qu'une langue la bazuja j'ai l'écolo pas là, pas mais qu'on corrige évidemment. Maintenant.